Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette semaine, c'était une semaine un peu chargée pour moi. J'ai eu quelques jobs, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer, même pas d'aller arracher vite fait, rien de tout, vraiment, j'étais pas sage de tout sur ça. Mais aujourd'hui, c'est une journée très calme, demain c'est très calme, donc j'ai pu reprendre la caméra. Alors, ce matin, j'avais envie de me faire un rehaussement des cils et aussi de tester le brow lift. Donc hier, j'ai vu sur Instagram, j'ai trouvé une fille qui proposait ce service-là, soit à Ivry-sur-Seine, que c'était le lieu qui m'arrangeait le plus, soit à Aubervilliers. Et hier soir, pile, elle a mis un story disant qu'elle avait des places pour aujourd'hui. J'ai dit, ça tombe bien, j'ai du temps et je vais me faire plaisir aujourd'hui. Je vais un peu me chouchouter, si on peut dire ça. Et je l'ai contactée pour demander si les places qui étaient disponibles aujourd'hui, c'était sur Ivry. Et bien sûr que non, c'était à Aubervilliers. Et je me suis dit, écoute, son travail, de ce que je vois sur Instagram, il me plaît. Il semble très professionnel. Je vais profiter pour faire une belle balade en métro jusqu'à Aubervilliers et je vais partir là-bas. Et bien sûr, aujourd'hui, je vous amène avec moi. Je vais me lancer dans les transports parce que vous savez, les métros parisiennes, des fois, ils font des surprises. Vous allez faire un avant-après et tout. A few moments later. Alors, du moment que c'était pas loin, je suis venue faire un petit tour à Marché aux Frais, à la Courneuve, parce qu'ici, je retrouve souvent des produits italiens pas chers du tout. Ça, vous voyez, ça, j'aime beaucoup. C'est des biscuits pour tremper dans le lait. Dans le lait, dans le café. Non, mais ça, c'est pas cher du tout, ça. Regardez. Il y a les gocce lui aussi, ça c'est très populaire en Italie, surtout la version biscuit à tremper dans le lait. Et regardez, ce sont 9 centimes, c'est pas cher du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il voit à mes yeux là? Croissant à la Nutella. La quantité de fromage, incroyable, vraiment. Avec cette journée incroyable, j'ai pas du tout envie de rentrer. Là, je suis venue vers l'opéra et je vais partir récupérer Sophie et notre travail. Tu aimes mes fils? Elles sont belles, mais il n'y a rien qui a changé. Mais non, regarde-les. Oui, ici, oui, ça va. Mais là, là, comment ça t'a dit? Les sourcils. Oui, mais je ne l'ai pas comme ça d'habitude, Sophie. Non. Tu les fais toujours comme ça. Oui, mais quand je les fais, après ça part. Là, normalement, ça reste. T'as payé combien? C'est nouveau ça, regarde. Pop Mart. Dernièrement, j'ai trouvé une queue jusque là-bas. Pas ouvert, le truc il n'est pas ouvert, il y avait déjà des affaires. C'est une boutique de figurines. Et Sofiane, des figurines japonaises. Il faut aimer parce que petite figurine 15 euros. Donc il faut être vraiment passionné. Bah oui. The next day. Bonjour, on se retrouve le jour d'après. J'ai un peu mal à la gorge ce matin. Hier soir, j'ai pris un peu de vent. Donc ce matin, j'ai l'impression qu'il me pique un peu la gorge. Regardez mes sourcils. Ça va, hein? Je pense qu'ils sont pas mal. Mes cils. Regardez. Maintenant, il ne faut pas que je mette de l'eau pendant 48 heures, il m'a dit, sur les cils et 24 heures sur les sourcils. Donc, à voir. Je vais préparer là le petit déjeuner. Je vous montre aussi qu'est-ce que j'ai pris hier au supermarché que je ne vous ai plus montré. J'ai pris ça, les voisins. Normalement, je les paye 1,80€, juste comme ça. Là, c'était 79 centimes le paquet. C'est même pas question de date d'expiration et tout parce que regardez là,
ça expire le 31 mai 2025. Donc, j'ai pris deux paquets de pain. Je l'ai pris deux. Voilà. Après, j'ai pris un huile d'olive spray. C'est une marque italienne. J'ai jamais testé le spray huile d'olive. Je pense que c'est pratique pour deuxième bien l'huile d'olive pour ne pas mettre trop gère dans les salades et tout. J'ai pris un paquet de pâtes. Et pour finir, j'ai pris une tarte à Sofia au citron. Ce truc là en Italie ça coûte 5 euros à peu près. Là ça coûtait 2,20 €. Vous voyez? Et ce matin, on s'est préparé un bon thé chaud pour un peu soulager la gorge. Bah, changement de programme. Finalement, Sofiane, il est encore en train de dormir. Donc, pas de petit déjeuner pour l'instant. Je me suis lavée, je me suis préparée et maquillée. Et là, je vais commencer à préparer le déjeuner. Hier soir, j'avais déjà cuisiné des lentilles dans l'eau. Et ce matin, je vais faire les lentilles avec le potiron. Ah, il s'est réveillé. J'ai entendu mon nom. Il s'est réveillé. Moi, j'étais déjà réveillé. J'ai juste levé la flemme de me lever du lit. Mon Dieu. Il faisait trop beau, trop chaud. Ah oui, oui. Déjeuner prêt, j'ai fait des lentilles avec le potiron. Exactement, j'ai mis le butternut. Et moi, j'adore cette recette. Franchement, c'est une recette que j'adore faire. Ça manque juste la petite touche d'huile d'olive. D'ailleurs, cette huile d'olive d'Abia, c'est vraiment quelque chose. C'est incroyable. Si vous l'avez jamais goûté, vraiment, il faut le goûter. Parce que quand ils disent que c'est le meilleur huile d'olive, bah franchement, il monte pas, hein. C'est vraiment trop, trop, trop bon. Et bon appétit. Bon appétit. Et regardez qu'est-ce que je suis parti acheter là maintenant. Kessra. La kessra. Avec les lentilles. Et moi, la base. Moi, j'ai fait une chose. Bah, là, c'est un peu raté peut-être, Sofiane. Hier, j'avais de la pâte brisée. Donc, je l'ai farci avec viande hachée, fromage et coriandre. Voilà. Oh, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ben oui. Oui, mais elles sont un peu toutes bizarres. Toutes, c'est bon, tu penses? Ah oui, on va les goûter. T'inquiète oui. Pas. On va commencer par ça. Là. Moi aussi, je vais commencer par ça. Je vais voir. Ça me dérange tout le dit. Bon, ils sont bons, mais ils sont un peu froids. On va la chauffer alors. Juste ça. Non, c'est bon. C'est vrai ou pas? Il faut le chauffer, ce fond. C'est pas mal. Ah, t'as mis de la viande hachée, hein? Oui. T'as bien mis de la viande hachée. Okay. Alors là, on est sorti un peu, on est vers Saint-Lazare. On va aller faire un petit tour sur Paris. Il y a le bus qui va passer. On ne va pas mourir aujourd'hui. On se dit qu'il y a le soleil, on sort. Finalement, le soleil. Et on est sorti, le soleil, il est parti. Il est parti, voilà. C'est grave joli. Il a même des symboles qu'on dirait de Kerako, des trucs arabes là. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est une belle matière. Non, le matériel est très bien. One hour later. Et de Paris à la Belle Épine. À la Belle Épine. Venu à faire un petit tour ici parce que ici il y a Primark et on savait que si on partait à Créteil, peut-être on aurait trouvé des délires. Donc ici c'est plus calme, il n'y a pas beaucoup d'affluence.
c'est plus agréable comme centre commercial. Non mais regardez là, 900 euros pour une petite machine pour le café. Bah j'espère il a intérêt de ramener au café jusqu'au lit pour 900 euros. Regarde ce film, le prix, là. C'est ça le prix? Oui. Mais il t'amène au café jusqu'au lit. J'espère qu'il va te dire même bonjour avec ce prix là. Sofiane, cours pas, cours pas. Les deux magasins, oui, préférés, un côté d'autre, Primark et Kiabi. Tu choisis lequel en premier? Ah, Kiabi, bien sûr. Je vois que tu t'es fait plaisir, Angela. J'ai trouvé enfin quelque chose qui me rentre. Un sweat, voilà. Un pantalon sweat. Ouais. Et un petit... Ça à la maison. Noël, avant l'heure. Oh, regarde Sofiane. Ça, c'est ton bonheur. Ah, Sofiane, regarde la cuisine. Oh, Sofiane. Ah, c'est trop joli. Tu l'achètes? Ah, elle est trop jolie. Je sais que tu veux l'acheter. Déjà. Même pas Halloween, déjà Noël. Même pas, ouais. Déjà, ça sent les fêtes. Sofiane. Il vous y dit, Angela, même ça. Moi, j'aime Noël. Ah, ben oui. Ça coûte combien? Je vous dis qu'elle va craquer. Sofiane, regarde. Sofiane, regarde. Sofiane, regarde là. Oh, Sofiane, regarde. Ah, oh, mais c'est trop joli, Sofiane. Mon Dieu. Ah non, les torchons, oui, Sofiane. Les torchons, oui. Quel torchon? C'est du torchon, ça, oui. Ah, c'est, même ça, c'est un torchon? Oui, à que, pour mettre à que, sur le four, toi. The next day. Pas grave, t'es un maillot de bain. C'est bon? Bah oui, c'est bon. C'est fini? C'est fini. Il manque un petit peu là. C'est le jour d'après. Ce matin, enfin, Sofiane, il s'occupe de la porte. Et peut-être, il va la monter cet après-midi. Ça manque, je pense, juste la peinture, mais ça, je vais le faire moi dans la semaine. Je pars chez Action pour acheter un pot de peinture et je vais la peindre. Et moi, je fais la garniture pour midi. Je vais faire des courgettes. On ne va pas manger trop tard parce qu'à 17h30, je dois être chez une cliente. Donc, on ne va pas tarder pour déjeuner. Je vais les sauter dans la poêle avec de l'ail et de la coriandre. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'ail en purée parce que c'est très pratique. Voilà. Avant que je m'habille pour aller au travail, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris hier chez Primark. Finalement, j'ai pris deux choses. J'ai pris ça, voilà. J'ai pris ça. Je vais vous le montrer ici porté. C'est un gilet noir, il y a col V avec des boutons aussi et il est tout travaillé comme ça, voilà. Taille, je l'ai pris en taille M et j'ai payé 17 euros. J'ai pris également un ensemble sweat et jogging en taille, le pantalon j'ai pris taille M, payé 7 euros et le haut j'ai pris taille L, payé également 7 euros. Il y avait plusieurs couleurs, bordeaux, rose, noir. Vous avez vu, j'ai pris aussi les petites serviettes de table. Moi, j'ai un... Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les serviettes. J'adore les serviettes à motif. Donc, quand je les vois, je ne peux pas résister de les prendre. Voilà. Et des caleçons pour Sofiane. Les trois, c'était 7 euros. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, je vais quitter pour aller au travail.
Mon kit aussi, il est prêt. Aujourd'hui, je travaille pour une fille qui va préparer son book comédien. Donc, j'ai organisé mon kit en fonction de ça. Et là, j'ai mis tous les fonds de teint, vous voyez, mes fonds de teint préférés. Un t-shirt, quelques palettes, mais vous voyez, dans ce genre-là. Tout avec des tons qui sont un peu, on va dire, neutres. Voilà, blush, poudre pour le bronzer. Là, j'ai une autre palette, voilà, au cas où, voilà, au cas où. Parce que il faut savoir que le 90-95% des choses que vous voyez là, je ne vais pas les utiliser. C'est juste au cas où. C'est juste au cas où, au cas où, au cas où. Les tout petits ascenseurs parisiens, regardez. Et là, ça va, je n'ai vu de plus petits encore. J'y rentre pile poil et je n'ai vu certains petits petits. Regardez qui m'a rejoint. Hein? Il m'a rejoint dans le bus, mais il y avait trop de monde. Donc, je n'ai pas pu filmer sa montée. Mais regardez là, il est bien équipé. Bravo, Sofiane. Je suis venu en courant comme ça. Tu es devenu habitué de le Leroy Merlin, Sofiane. Tu as fait une carte de fidélité? Non, jamais. J'ai acheté comme ça. Ah! Pour la porte. Ça veut dire que la porte ce soir, elle est presque prête. Presque. Juste la peinture. Là, on rentre à la maison. Le travail, ça a été. La fille était très très contente du maquillage. Donc, je suis très contente aussi. Moi aussi, je suis content. Et Manu, Sofiane, on est tous contents. Et tu vas faire ça quoi à la maison, Manu? Tu vas mettre ça. On va mettre ça là. Ouais. Et voilà, Sofiane qui va travailler encore. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Parce que. Attends. Attends la plante, Sofiane. Attends. Parce que l'autre jour, moi j'avais juste les deux là. Et le meuble de la télé, et celle-ci, elle était dans le couloir. On a décidé de les mettre, de la mettre à côté des autres, voilà, dans le même salon, et de mettre un étagère à eau, de manière qu'il fasse comme tout un meuble. Ça va? Ça rentre? Sans le coller même. Hein? Même sans le coller. Sans le coller, ça rentre? Oui. Il y a 10 cm par là, il y a 10 cm. Oui. Et voilà le résultat. Bravo. The next day. Buongiorno. C'est le jour d'après. Ce matin, j'ai un peu de temps pour moi. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Et je voulais faire un bon skincare parce que je n'ai, si vous n'avez pas remarqué, je n'ai vraiment besoin. J'ai eu un bouton ici. Et c'est assez bizarre parce que en général, je n'ai pas de boutons. Même quand j'ai mes règles, c'est rare que j'ai des boutons. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu. J'ai eu un bouton là qui est parti et celui-ci qui a du mal à partir. Et je n'ai un autre tout petit ce matin là. Mon visage, il a besoin de se purifier peut-être. Je reçois pas mal de messages me disant « Angela, est-ce que tu peux nous montrer ça ?» Surtout quand je me maquille, je ne fais pas vraiment des... étape par étape, je me maquille, après je coupe la vidéo, je vous montre à la fin, vous voyez. Donc, certains d'entre vous me demandent, est-ce que tu peux nous montrer tout? Préparez-vous, la vidéo après celle-ci, je vais poster d'abord cette vidéo-là, vidéo vlog. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo où je vous montre comment se maquiller pour tous les jours, un maquillage simple à la portée de tout le monde. Ce matin, je vous ai dit, c'est vraiment skincare... à fond, je sens vraiment l'exigence, vraiment. Je vais faire cette masque, regardez la texture. Cette marque-ci, c'est une marque coréenne, c'est un masque qui aide, dans mon cas surtout, que j'en ai besoin, à réduire la production de sébum. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Surtout moi, mon problème, c'est au niveau du nez. Donc, j'insiste au niveau du nez. C'est un masque qui n'est pas séchante. Donc, on peut la mettre aussi sur tout le visage. Mais moi, je ne vais pas la mettre sur tout le visage. Je vais la mettre juste dans la zone T. Voilà. C'est un masque qu'on met, on laisse poser.
Et après 5-10 minutes, quand vous voyez qu'elle commence à être sec, vous pouvez la retirer doucement avec de l'eau tiède et vous massez légèrement parce qu'à l'intérieur, il y a ces billes qui font gère comme un petit scrap. Donc, ça aide à désincruster, vous voyez, à désincruster les impuretés. Et moi, je n'ai besoin parce que là, ça fait quelques semaines que je ne l'avais pas faite et on le voit tout de suite quand on ne le fait pas. J'ai pris un grand verre d'eau et je vais checker tous mes mails, préparer quelques débits, comme ça le temps que la masque s'assèche. Entre temps, quelques heures s'est écoulé. Là, c'est presque 17 heures. Donc, je fais vite parce que maximum 18 heures, je dois sortir de la maison. Voilà. Alors, je me suis maquillée, habillée. Je vous montre un petit peu qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis une robe avec des bottines couleur marron, marron foncé. Et aujourd'hui, il fait apparemment un peu plus chaud. Donc, je vais mettre une veste en jean. Je pense que ça fera la fête parce que mettre un doudoune ou quoi, ça me semble un peu trop. Un peu comme ceci. Et je vais mettre ce joli sac. Regardez comme il est beau. C'est un sac de ma grand-mère. Il est cassé. Je l'ai essayé de le rattraper un peu, mais il faut que je trouve une solution. La hanse qui est de l'autre côté, vous voyez, il y a ce petit bouton clipsable. Il s'est cassé, donc il n'est plus attaché à ce petit cercle. Donc maintenant, j'ai fermé le sac, je l'ai fermé dedans. Ça tient, mais je voudrais trouver une solution. Et voilà, on y va. Bah, finalement, je suis de retour à la maison et j'ai carrément oublié de filmer. Je voulais vous filmer juste le lieu où on est parti manger une pizza. Et j'ai carrément oublié, on a commencé à papoter et tout. Et finalement, je me suis laissé emporter de la conversation. Et j'ai même pas fait une reprise à la pizza au lieu. Et, on a mangé à La Felicita, c'est dans le quartier de bibliothèque François Mitterrand. Et je vais souvent là-bas, donc c'est une adresse vraiment bijou. J'aime beaucoup, mais j'avoue qu'aujourd'hui, même si c'était mercredi, il était blindé de monde. Quoi ajouter d'autre? Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais conclure ce petit vidéo-vlog ici. J'ai filmé un petit peu par-ci et par-là pendant les jours. Donc, vous avez tous des petits fragments de journée. Mais c'est ça aussi, les vidéo-vlogs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. C'est gratuit. Je vous laisse en bas dans la barre d'infos tous nos réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.